pain. Confidence. Cette carte représente la confiance en soi et l'assurance. Souvent associée à la vanité ou à l'orgueil, la belle présentation de la pintade a longtemps été vénérée par les artistes, les auteurs, les dramaturges et les philosophes. Malgré les associations négatives, la fierté de soi, l'amour de soi et la confiance sont des éléments importants d'une estime de soi positive que cette carte encourage. Cette carte vous rappelle que la confiance en soi peut être la clé de votre succès et vous incite à être fier du chemin parcouru. Dans la mythologie grecque, le pan est associé à la déesse Héra, qui lui offre des centaines d'yeux qu'il tient dans sa queue. Le pan est donc devenu un symbole de vigilance. Cette carte peut signifier l'attention et la vigilance, ou un avertissement de ne pas baisser la garde. Elle peut également être perçue comme un symbole d'activité théâtrale, de performance ou de confiance en soi sous le regard d'autrui. Lecture de l'ombre. Une lecture de l'ombre de la carte du pan peut mettre en garde contre l'arrogance, la vanité et l'autosatisfaction. Rappelez-vous que, tout comme les yeux des rats sur la queue du pan restent vigilants à l'égard des autres, ils peuvent aussi être vigilants à l'égard de soi-même. N'ayez pas peur de tourner vos propres yeux vers l'intérieur et de vous demander si la confiance que vous avez est méritée. Correspondance. Élément, terre. Flore, cèdre, célandine, gingembre, agripaume, néroli. Pierre, citrine, fuchsite, hématite, agate. Travail spécial, donner confiance à quelqu'un, magie de la chance, inciter une personne arrogante à changer ses habitudes.